Bonsoir, bienvenue à vous dans cette édition, dans cette première édition du jeu Concours Jeunes Champions. Et nous sommes dans les derniers matchs de cette phase éliminatoire. Et le match d'aujourd'hui va voir l'affrontement entre trois collèges, notamment Adeilou, Tadjoura et Ali Adé. Alors je le rappelle encore, les règles du jeu sont vraiment très simples. On vous posera une série de questions, vous appuyez sur le buzzer avant de donner votre réponse. Attention. Si vous donnez la réponse, si vous vous précipitez et que vous n'appuyez pas sur le buzzer, la réponse ou la main passera à l'adversaire. Alors, n'oubliez pas, on est là pour jouer, pour se distraire et surtout pour s'amuser. Voyez ça comme une récréation. Okay? Bien, alors nous allons commencer par les présentations. Alors, on va commencer avec Adeilou. Quel est ton nom? Je m'appelle Hamid Adeilou. Oui. Je représente le collège d'Adeilou. Et tu es en classe 2? Je suis en classe de 9e année. Très bien. Est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un aujourd'hui? Oui. Qui ça? Monsieur le principal. Ah, très bien. Alors, une petite pensée particulière monsieur, pour monsieur le principal. Hein? Alors, collège de Tadjoura. Bonjour, je m'appelle Smaïr Medou. Je représente le CM de Tadjoura. Très bien. Je suis en 9e classe. En 9e année. En 9e année. Alors, premier jeu pour toi, n'est-ce pas? Oui. Comment tu te sens? Je suis heureuse. Très bien. Alors, est-ce que tu aimerais saluer quelqu'un aujourd'hui? Oui. Qui? Ma famille, mes professeurs et mes amis. Très bien, excellent. Alors nous allons passer bien sûr au dernier établissement d'Ali Adé. Je m'appelle Ismail Hassan, je représente le CM d'Ali Adé. Très bien. Et tu es en classe 2? 9e année. 9e année, oui. Parfait. Alors tu aimerais saluer quelqu'un? Oui. Qui? Le professeur. Le proviseur? Oui. Parfait. Alors nous allons commencer le jeu, bien sûr, innovation d'abord. Préparez-vous, alors à vos marques et que bien sûr les meilleurs ou la meilleure ou le meilleur se démarquent. Okay. Alors, culture générale, comment s'appelle l'inventeur du téléphone? Comment s'appelle celui qui a inventé le téléphone? Oui? Le téléphone. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, tant, y a-t-il quelqu'un dans le public? Non plus. Alors, nous avons deux réponses possibles. Il s'agit de Bell ou bien d'Antonio Meucci. Bien. Français cette fois-ci, vous donnez le pluriel du mot suivant. Alors, quel est le pluriel du mot carnaval? Oui. Carnaval. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Carnaval. Non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Tant. Alors, le pluriel du mot carnaval, c'est carnaval avec S à la fin. Ok. Bien. EPS cette fois-ci, EPS. Combien dure une exclusion temporaire en handball? Combien dure, oui? 2. 2 minutes, excellente réponse. Bien, nous continuons cette fois-ci avec une question de biologie. Comment appelle-t-on le message envoyé du cerveau vers les muscles? Comment appelle-t-on le message envoyé du cerveau vers les muscles? Le sang. Hein? Le sang. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, la réponse exacte est un message nerveux moteur. Okay. Alors, histoire-géographie cette fois-ci. Où vivaient les premiers hommes préhistoriques, dits aussi hominidés bipèdes? Au paléolithique. Ça, c'est l'époque. Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, où vivaient, donc c'est un lieu, où vivaient les premiers hommes préhistoriques, les hominidés bipèdes? Oui. Dans les grottes. Non plus, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, y a-t-il quelqu'un qui a la réponse dans le public, parmi les supporters peut-être? Non plus. Alors, la réponse est très simple, en Afrique. C'est le lieu où vivaient en Afrique. Donc, mathématiques cette fois-ci.
Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux côtés opposés. Quel est le nom de ce théorème? Oui. Le Pythagore. Le théorème de Pythagore, comment on le pense? Alors, question de culture générale cette fois-ci. Culture générale. Je suis un dessin qui exagère les défauts physiques pour faire rire. Que suis-je? Je suis un dessin qui exagère les défauts physiques pour faire rire. Que suis-je? Time's up. Alors, y a-t-il quelqu'un dans le public? Toujours pas. La réponse est une caricature. Je ne sais pas si vous avez vu dans le livre, il y a des dessins où les personnages représentés ont un petit corps, une grosse tête. On appelle ça une caricature. Alors, français et conjugaison cette fois-ci. Conjuguer le verbe vouloir au futur de l'indicatif à la première personne du singulier. Oui. Je voudrais. Plus fort? Je viendrai. La réponse exacte est bien sûr je voudrais. Très bonne réponse. Alors, en sport collectif, question d'épaisse, en sport collectif, quelle est la couleur du carton pour lequel on exclut définitivement un joueur? Oui. Rouge. Rouge, très bonne réponse. Alors, le principe du buzzer est très simple. Vous pensez que le buzzer ne fonctionne pas? Il fonctionne parfaitement. S'il y en a un, même si on pense qu'ils appuient tous en même moment, il y a une fraction de seconde ou bien un millième de seconde de différence. Donc, dès qu'on appuie sur un buzzer, les autres se bloquent automatiquement. C'est pour me permettre une meilleure transparence, au fait. Et on sait quel est le candidat qui a été le plus rapide. Donc, on lui accorde le point. Alors, question d'SVT cette fois-ci. Comment appelle-t-on l'organe qui permet les échanges entre le fœtus et sa mère? Comment appelle-t-on l'organe qui permet... Oui? Mal au centre. Plus fort? Mal au centre. Non, c'est pas la bonne réponse. Oui? L'urus. Non. Le placenta. Le placenta, excellente réponse. Alors, question d'histoire-géographie cette fois-ci. Quelle ville est le berceau de la démocratie? Quelle ville est le berceau de la démocratie? Oui. Sibérie. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Washington. Non plus. Oui. Paris. Madrid. Paris. Paris, non plus. Alors, quelqu'un a-t-il la réponse dans le public? Non, alors, je donne la réponse. La réponse exacte est Athènes, la Grèce antique. Bien, culture générale cette fois-ci. On continue. Comment appelle-t-on le fruit du grenadier? Comment appelle-t-on le fruit du grenadier? Oui. Les graines. Les graines. Graines? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Tant. Alors, la réponse exacte est la grenade. Alors, physique-chimie cette fois-ci, vous avez trois choix et une seule réponse est correcte, ok? Quel est le nom de cette formule? Alors, HCl, est-ce que c'est A, chlorure de cuivre, B, chlorure de potassium, C, chlorure d'hydrogène? Est-ce A, B ou C? Oui? B. Non, ce n'est pas la bonne réponse. C. C, réponse excellente, chlorure d'hydrogène. Bien, on passe à une question de mathématiques cette fois-ci. Alors, sur 500 élèves, que compte un collège dont 20% sont en 6e? Alors, sur 500 élèves, que compte un collège, 20% sont en 6e. Quel est le nombre d'élèves qui ne sont pas en 6e? Sur 500 élèves, que compte un collège, 20% sont en 6e. Quel est le nombre d'élèves qui ne sont pas en 6e? Oui? 480. Oui? 480. Non, ce n'est pas la bonne réponse. 300. Non. 300. Réponse invalide. La main passe à l'adversaire. Tant. Alors, quelqu'un a-t-il la réponse dans le public? Alors, la réponse exacte est 400. Tu as dit 480, donc c'est 400. Bien. Culture générale cette fois-ci. Attention. Quel est l'animal qui rugit?
Le lion, excellente réponse. Alors français cette fois-ci, question de vocabulaire. Former. Former un adverbe à partir de l'adjectif suivant. Indépendant. Former un adverbe, oui. Indépendance. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Former un adverbe à partir de l'adjectif suivant, indépendant, oui. Indépendancement. Indépendancement. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le temps est écoulé. Quelqu'un du public? Toujours pas. Alors, bon, l'adjectif est indépendamment. OK? Indépendamment. Ben, j'ai déjà donné la réponse. Alors, EPS. Alors, quel pays a rencontré notre équipe nationale de football au mois de mars 2017 pour la qualification de la Coupe d'Afrique? Quel pays a rencontré notre équipe nationale de football au mois de mars 2017 pour la qualification à la Coupe d'Afrique? Alors, temps. Public, le micro est à vous. Présente-toi. Je m'appelle Enoch, de l'école champion, classe de 8e. Et la réponse que j'ai c'est Soudan. Soudan, oui, lequel? C'est le Soudan. Alors, pour être plus précis, donc, dans ces cas-là, c'est le Sud-Soudan. Très bien. Physique-chimie cette fois-ci. Que peut-on dire d'une solution de pH 3? A, acide. B, basique. C, neutre. Oui? Basique. Quelle? Basique. Alors, basique, réponse B, non. Oui? Acide. Acide, réponse A. Excellente réponse. Question de biologie cette fois-ci, SVT, attention. Que signifie l'acronyme FIV? Que veut dire l'acronyme FIV? SVT, que veut dire l'acronyme FIV? Temps. Alors, quelqu'un du public? Alors, l'acronyme FIV signifie la fécondation in vitro. Histoire-géographie cette fois-ci. Quelle est la monnaie? Quelle est la monnaie de l'Union européenne? Oui. L'euro. L'euro, très bonne réponse. Alors, physique-chimie cette fois-ci. Quelle est la propriété qui s'applique au plastique? Trois choix. Quelle est la propriété qui s'applique au plastique? A, cassable. B, conducteur électrique. C, isolant électrique. Isolant électrique. Alors, isolant électrique, on valide la réponse normalement. Oui, isolant électrique. Alors, mathématiques, cette fois-ci, question de mathématiques. Si la longueur du segment AB, si la longueur du segment AB est égale à 68 décimètres et M est le milieu du segment AB, alors la distance du segment AM est égale à combien? Si la longueur du segment AB est égale à 68 décimètres et M, le milieu du segment AB, alors la distance du segment AM est égale à combien? Oui? 34. 34 décimètres. Excellente réponse. Bien, alors nous voyons que le CM de Tadjoura a une avance confortable. Donc le score est de 7 pour Tadjoura, 4 pour Adaïlou et 0 pour Aliadi. Alors culture générale. Sur quel continent se trouve le plus haut mont du monde, l'Everest? Chine. Sur quel continent? Mauvaise réponse. En Asie. Non. Trop tard. Oui. Europe. Non, c'est non plus l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. Alors, sur quel continent se trouve le plus haut mont du monde, l'Everest? Oui. C'est au sud. Non plus. Alors, elle avait donné la réponse et la réponse exacte était l'Asie. Pas de chance. Alors, français cette fois-ci en orthographe.
Comment s'écrit le mot suivant? Vous devez épeler lettre par lettre le mot suivant. Alors, comment s'écrit le mot arithmétique? Arithmétique. Temps. Le temps s'est écoulé. Alors, arithmétique, public? Oui? Toujours oui. L'appel du mot arithmétique, c'est A-R-I-T-H-E-M-E-Q-U-I. Donc, tu as zappé deux lettres. Alors, je reprends. L'épellation, c'est A-R-I-T-H-M-E-T-I-Q-U-E. Arithmétique. OK. Alors, en mathématiques, vous avez au fait deux grandes parties, l'arithmétique, la géométrie et ainsi de suite. Bien. EPS cette fois-ci. En basketball, comment s'appelle la cible sur laquelle on tire? Oui. Le panier. Le panier, très bonne réponse. Alors, question de mathématiques cette fois-ci. Question de mathématiques. On clôture un parc de forme rectangulaire de 45 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur avec une grille. Quelle est la longueur de grille nécessaire si on laisse deux ouvertures de 4 mètres? Alors, on clôture un parc de forme rectangulaire de 45 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur avec une grille. Quelle est la longueur de la grille et de grille nécessaire si on laisse deux ouvertures de 4 mètres? Regarde, vous avez dit combien? Alors, je reprends la question. On clôture un parc de forme rectangulaire de 45 mètres de longueur et de 25 mètres de largeur avec une grille. Quelle est la longueur de grille nécessaire si on laisse deux ouvertures de 4 mètres? Oui. 40e mètre. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, le temps s'est écoulé. La réponse exacte est 132 mètres. 132 mètres. Bien. Alors, question des SVT cette fois-ci. Quel est le nom de cette phase de la respiration qui consiste à faire sortir l'air contenu dans les poumons? Oui. Les poumons. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Oui. Oui. Expiration. Expiration. Très bonne réponse. Et un point pour Alain. Alors, nous voilà arrivés au terme de ce match qui a opposé le CM d'Adeilou à celui de Tadjoura et d'Aliadé. Bien sûr, match qui a connu, qui connaît aussi, ou bien qui a vu la victoire de notre candidate du collège de Tadjoura. Alors, comment tu te sens? Heureuse et prête pour la phase suivante? Inch'Allah. Inch'Allah. Bien. Alors, nous allons clôturer ce match avec un mot assez particulier. Donc, vous avez tous participé de la meilleure manière qui soit. Pour le collège d'Adeilou et pour le collège d'Ali Adé, vous aurez peut-être la chance une prochaine fois de participer et de peut-être gagner, on ne sait jamais. Et n'oubliez pas, vous êtes venus de si loin pour représenter déjà votre établissement. C'est magnifique et c'est très courageux. Une ovation. Alors, approchez. Alors, comme d'habitude, nous terminons, comment dire, chaque match par une belle photo, une photo de famille, pour être plus clair et plus exact. Et à ce titre, je me rappelle, comment dire, d'une citation assez importante que mon oncle me disait souvent. L'homme de valeur ne rate jamais et ne perd jamais de vue les adversités qui peuvent l'enrichir. Aujourd'hui, vous avez fait connaissance, vous êtes affronté et chacun a connu sa valeur. Et pour cela, vous êtes vraiment mes héros. Merci beaucoup. Alors, nous voici arrivés au terme de ce deuxième match. Il ne restait plus que deux matchs pour clôturer cette phase éliminatoire. Et bien sûr, une fois que cela sera fait, La grande tradition du tirage au sort se fera pour désigner les prochains matchs. Et aujourd'hui, nous avons vu la victoire du CM de Tadjoura, pour qui l'on souhaite bonne chance et bonne continuation. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et à bientôt.